Mes chers compatriotes résidents à Hong Kong et à Singapour, je m'adresse à vous puisque vous allez être appelés à élire un député dans la 11e circonscription des Français établis hors de France. Et j'ai l'honneur de me présenter à cette élection, comme vous l'avez peut-être appris. Alors les moyens de communication sont très courts. La durée de la campagne est scandaleusement courte, même ridicule, puisque Macron n'a même pas respecté le code électoral qui prévoit qu'il y ait 4 semaines entre la date limite de dépôt des candidatures et le premier tour. Là, il n'y a même pas eu 3 semaines. Et donc matériellement, je n'ai pas eu les moyens de me rendre dans la zone. Mais en tout cas, le cœur y est. Je fais cette vidéo pour me présenter à vous rapidement et pour vous dire un petit peu pourquoi je me présente et qui je suis. Qui je suis, vous me connaissez peut-être. J'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017. J'ai créé, voici 17 ans et demi, un parti politique, l'Union populaire républicaine, pour appeler les Français à se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Faire ça il y a 17 ans et demi, c'était une gageure, puisqu'à l'époque, tout le monde considérait que c'était une folie. Désormais, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent et qui se rendent compte, eh bien, qu'il y a un véritable problème de démocratie, d'efficacité économique, d'efficacité industrielle, etc., au fait de rester dans l'Union européenne, dans l'euro, et un véritable problème concernant la paix, au fait de rester dans l'OTAN. Qui je suis? Eh bien je suis diplômé d'HEC. Ensuite, j'ai effectué une partie de mon service national à l'époque pour les garçons au Japon pendant 1 an et demi à Tokyo, où j'ai donc résidé pendant 1 an et demi. J'avais déjà résidé 3 mois auparavant. Donc j'ai une bonne expérience du Japon. J'en parle un petit peu la langue. À l'issue de cette longue période au Japon, j'ai présenté le concours de l'ENA, où j'ai été intégré, où je suis sorti dans la promotion de Léonard de Vinci en 1985 comme vice-major, où j'ai pris l'inspection des finances. Suite à quoi j'ai mené ma barque, notamment au ministère des Finances, où j'ai été le responsable de l'Asie-Océanie, justement, notamment pour tout ce qui est l'aide au développement dans les pays, notamment du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est, et de la Chine à l'époque, mais aussi pour tout ce qui concernait les questions de commerce extérieur, de commerce international avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, Taïwan, etc. Ensuite, j'ai fait du cabinet ministériel où j'ai justement, je me suis occupé de cette zone. J'ai notamment été à l'origine d'un premier grand voyage avec 160 industriels lorsque j'étais au cabinet de Gérard Longuet en Chine, qui s'était achevé par Hong Kong. Et puis j'ai été ensuite pendant 1 an et demi au cabinet d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, pour faire de nombreux déplacements dans la zone, puisque j'étais aussi le responsable de l'Asie-Océanie. Autant dire que je suis quand même, me semble-t-il, parmi tous les candidats qui se présentent devant vous, quelqu'un qui a quand même une bonne connaissance de cette région et une connaissance à la fois en tant que touriste, en tant que résident – j'ai résidé au Japon pendant près de 2 ans – mais aussi en tant que participant à des rencontres au plus haut niveau. Et j'en profite, puisque je m'adresse à des Français résidents à Hong Kong et à Singapour, pour leur raconter 2 anecdotes assez particulières sur ces 2 territoires où je suis allé de nombreuses fois. S'agissant de Hong Kong, je me rappelle très bien que début 1997, eh bien, j'avais effectué un voyage avec Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères, où nous étions allés en Chine pour préparer le voyage d'ailleurs de Jacques Chirac qui devait avoir lieu, mais aussi pour. On était sortis par Hong Kong. Et lorsque nous étions passés par Hong Kong, nous avions été invités à déjeuner par le gouverneur britannique de l'époque, qui s'appelait Sir Christopher Patterne, et qui a été le dernier gouverneur britannique de Hong Kong. Et alors, comme j'aime l'histoire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Asie, à l'histoire notamment de Hong Kong, que les Français résidents à Hong Kong, je ne vais pas leur expliquer l'histoire de Hong Kong, à partir des guerres de l'opium, à partir de la volonté des Britanniques de rééquilibrer le commerce extérieur avec la Chine, suite notamment à la déconvenue de la mission de l'ambassade de Lord McCartney en 1794 auprès de l'empereur Qianlong. Donc les Britanniques cherchaient tous les moyens possibles pour rééquilibrer leur commerce extérieur avec la Chine et n'avaient rien trouvé de mieux
que de vendre de l'opium, notamment à Canton et dans tout le sud de la Chine, et ce qui avait donné naissance à la première guerre de l'opium, qui s'était soldée par la cession de l'île de Victoria aux Britanniques. Et puis ensuite, il y avait d'autres guerres de l'opium, comme vous le savez, jusqu'en 1898, où les nouveaux territoires avaient été cédés sous la forme d'un bail emphytéotique à la Grande-Bretagne de 99 ans. Or, à l'époque, en début 1997, tous les regards étaient tournés vers la cession de Hong Kong à la Chine, la rétrocession qui était prévue le 1er juillet 1997. Il y avait eu des lourdes négociations entre le gouvernement britannique et les autorités de Pékin. Et il avait été convenu qu'il y aurait une région administrative spéciale pendant une durée de 50 ans, ce qui a eu lieu. Il avait été également prévu que le Royaume-Uni aurait pu juridiquement conserver la seule île de Victoria qui lui avait été donnée de façon définitive. Peut-être aussi la péninsule de Kowloon, je ne me rappelle plus. En revanche, les nouveaux territoires, eux, avaient été donnés sous bail emphytéotique, donc de toute façon devaient être rétrocédés. Le gouvernement de Londres, pour éviter d'avoir une épine dans le pied, avait décidé la rétrocession générale de la colonie de Hong Kong. Et donc si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que j'ai vécu vraiment cette histoire. C'est un peu les derniers feux de l'Empire britannique, hein, « the empire on which the sun never sets », comme on disait à l'époque, l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et il y avait un parfum très extraordinaire dans ce déjeuner avec Sir Christopher Patterne, avec un certain nombre de ses collaborateurs. J'étais avec M. de Charette, le ministre français des Affaires étrangères, avec notre consul général à Hong Kong, avec deux conseillers commerciaux à Hong Kong. Et j'étais son conseiller. Et nous étions autour d'une grande table ronde en acajou. Et pendant que nous déjeunions, je pensais que... Eh bien, quelques mois après, probablement, cette salle à manger, très british, très coloniale, eh bien, appartiendrait au passé, serait transformée en musée, et qu'il y aurait des visiteurs qui tourneraient autour de la table avec des fils comme ça, rouges, pour ne pas y aller. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'en garde un souvenir vraiment important, c'est-à-dire la fin, en fait, de toute une épopée du monde occidental qui avait commencé avec Henri le Navigateur au Portugal au début du XVe siècle et qui s'est achevée à la fin du XXe siècle. Alors bon, il faut regarder évidemment l'avenir. Je connais vraiment assez bien les problématiques de Hong Kong avec quand même ce régime, cette situation de région administrative spéciale dont les libertés ont été réduites comme peau de chagrin par le grand frère pékinois, mais aussi quand même un mode de vie très particulier, assez agréable de la ville Hong Kong, et puis évidemment une atmosphère d'entrepreneurial, monde des affaires, extrêmement important, qui est un peu l'un des poumons du sud de la Chine, même si la montée en puissance de Canton, de Shanghai, et puis de Pékin, et puis de l'ensemble du chinois a peut-être fait perdre à Hong Kong sa spécificité et qu'elle avait conservée pendant plusieurs décennies. Je crois savoir effectivement quelles sont les problématiques des Français expatriés à Hong Kong, où il y a beaucoup de Français qui travaillent dans des entreprises françaises comme cadres, qui travaillent sur des marchés financiers. Il y a aussi des enseignants, bien sûr. Il y a aussi d'autres professions, un peu comme partout. Mais il y a certainement, peut-être à Hong Kong plus que dans d'autres endroits, une surreprésentation de jeunes cadres diplômés travaillant sur les marchés financiers, par exemple. C'est un peu la même problématique à Singapour, mais avec de larges différences. D'abord, c'est pas du tout la même histoire. Et là, j'ai une autre anecdote à raconter s'agissant de Singapour, où je suis allé plusieurs fois, une autre fois justement avec Hervé de Charette, le ministre français des Affaires étrangères, où nous étions allés pour préparer un voyage de Jacques Chirac, président de la République, qui devait se rendre en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour. Et donc le devoir du ministre français des Affaires étrangères était de préparer ce déplacement. Et à Singapour, nous avions été reçus dans le grand espace vert où se trouve un certain nombre de bâtiments gouvernementaux. Nous avions été reçus par le premier ministre singapourien de l'époque, qui était M. Goh Chok Tong, qui était le poulain du père fondateur de Singapour, qui nous avait reçus également, qui s'appelait Lee Kuan Yew, et qui était... Il était senior minister, selon la titulature singapourienne. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'était plus du tout aux affaires, mais en fait, officieusement, il reprenait cette longue tradition chinoise
de l'empereur derrière le rideau, c'est-à-dire un empereur quittant un peu ses fonctions, mais n'abdiquant pas tout à fait, et continuant à superviser. Ce qu'avait fait Deng Xiaoping en Chine lorsqu'il avait quitté la première place. Il était quand même resté président de la commission militaire du Parti communiste chinois pendant un certain nombre d'années pour bien surveiller comment allait se passer la suite des événements. Et donc Lee Kuan Yew, qui était un homme qui est décédé il y a quelques années, qui était un homme vraiment impressionnant par son intelligence, sa connaissance des dossiers, il avait une éducation toute britannique. Lee Kuan Yew nous avait reçus avec le ministre des Affaires étrangères français, Hervé de Charette. C'était en 1996. Et on parlait beaucoup de l'arrivée de l'euro, qui devait arriver, je vous le rappelle, le 1er juillet 1997, et qui, en fait, a été reporté – certains d'entre vous se le rappellent peut-être – a été reporté au 1er juillet 1999, du moins dans les échanges interbancaires. Donc ça a été reporté de 2 ans. Et ceci a été ensuite, s'est traduit ensuite, à partir du 1er janvier 2002, par l'arrivée de l'euro sous forme de monnaie fiduciaire, de pièces et de billets, et dans les échanges entre les particuliers. Ça a été en France, la transition s'est faite entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002, lorsque les francs ont été entièrement retiré de la circulation. Alors nous sommes en 1996. Et donc Hervé de Charette et Lee Kuan Yew devisent, c'est le cas de le dire, sur l'euro. Et Hervé de Charette parle de l'euro en inventant monts et merveilles. Et l'anecdote que je voudrais raconter ici à tous les Français qui vivent à Singapour, dont beaucoup d'ailleurs doivent travailler sur les marchés financiers, à la bourse de Singapour. Il y a la bourse de Hong Kong, la bourse de Singapour. C'est comme la bourse de Tokyo, la bourse de Shanghai ou la bourse de Sydney. Ça fait partie des grandes bourses asiatiques. Il est important qu'ils connaissent ces anecdotes, je pense. Parce que lorsqu'Hervé de Charette avait vanté les charmes du futur euro, de la future monnaie européenne, Lee Kuan Yew avait arrêté très vite mon ministre. Il lui avait coupé la parole, ce qui, en termes diplomatiques, est assez peu fréquent. Et il lui avait coupé la parole brutalement en lui disant « Excusez-moi, monsieur le ministre », l'échange se faisait en anglais, « Excusez-moi, monsieur le ministre, mais je ne crois pas au succès de l'euro ». C'est assez rare dans les échanges au plus haut niveau entre les chefs d'État ou les ministres des Affaires étrangères. On a en règle générale des discours assez feutrés, où on fait passer des idées avec le sourire et de façon un petit peu polissée. Ce n'était pas tellement le cas de Lee Kuan Yew, qui, de ce point de vue-là, avait appris un certain nombre d'habitudes occidentales et un petit peu américanisées. Donc il avait fait du rentre-dedans. Alors Hervé de Charette, le ministre français des Affaires étrangères, était un peu interloqué en disant « Comment ça ?». Et d'ailleurs, il m'avait jeté un regard interrogatif, parce qu'il savait, dans le secret du cabinet, il savait qu'il connaissait mes idées, qui étaient déjà, en 1996, celles que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je lui avais toujours dit que l'euro, de toute façon, se terminerait un jour mal, et même très mal. Et entendant Lee Kuan Yew, il se tourne vers moi, un peu interloqué. Il lui dit « Mais pourquoi dites-vous ça, monsieur le seigneur ministre ?». Et Lee Kuan Yew lui avait répondu « Eh bien écoutez, ne le prenez pas mal, mais je ne crois pas que l'euro pourra réussir, et ceci pour une raison très simple, c'est que vous ne me ferez jamais croire, monsieur le ministre, avait dit Lee Kuan Yew, que les Allemands accepteront de payer pour toujours, that the Germans will accept to pay forever, forever, Mr. Minister, je me rappelle encore comment il l'avait dit, accepteront de payer pour toujours les déficits et les retraites des Grecs, des Italiens et des Espagnols. Il n'avait pas dit des Français, mais il le pensait. Il avait touché du doigt Lee Kuan Yew, 1996, ce qui allait être un des gros problèmes, qui n'est toujours pas résolu, qui est tout simplement le fait que, au sein de l'Union européenne, au sein de la zone euro, il n'y a pas un peuple, il y a des peuples en Europe, avec leur tradition politique, syndicale, historique, avec leur tissu industriel, avec leur rapport à la discipline au travail, avec la compétitivité, avec toute une série de questions, notamment sur les transmissions d'entreprises, etc., etc. Le tissu industriel avec, par exemple, en Allemagne, des très très grosses PME, un tissu de très grosses PME très très largement supérieur
à ce qu'il est en France, etc., etc. Et puis une espèce d'appétence des pays du sud méditerranéen, la France y compris, pour une espèce de tentation inflationniste toujours latente, supérieure à ce qu'il est dans les pays du Nord, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, et qu'au bout du compte, il y aurait une divergence dans l'évolution des compétitivités qui nécessiterait que les pays du Sud s'endettent et que ben, les Allemands, à un moment, ça finirait par craquer. Lorsque nous étions sortis de cet entretien, M. de Charette m'avait dit « François, vous devez être content. M. Lee Kuan Yew pense comme vous ». Alors j'avais fait une boutade. J'avais dit « Non, c'est lui qui pense comme moi ». Je me rappelle très bien cette anecdote un peu drôlatique. Mais ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que derrière les affirmations des médias selon lesquels l'euro allait être quelque chose d'extraordinaire, il y avait des gens, non seulement en France, mais sur la planète financière, dans le monde entier, qui avaient des doutes. Or, ces doutes ne sont pas levés. Et je m'adresse à vous, que ce soit à Hong Kong ou à Singapour, parce que, vous le savez, je milite pour que la France sorte de l'euro, quitte l'Union européenne, sorte de l'OTAN, pour que les Français récupèrent leur démocratie et également évitent la destruction de leur économie. Pendant des années, on m'a expliqué, on m'a présenté comme quelqu'un de farfelu, d'extrême droite, alors que notre mouvement n'est absolument pas d'extrême droite et a d'ailleurs été classé par le ministère de l'Intérieur en divers. Et pourquoi je disais ça? C'est tout simplement parce qu'il se pose un problème qui est en train d'arriver maintenant sous nos yeux. C'est que les Français ne comprennent pas la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et les conséquences au quotidien qu'ils voient et qu'ils n'acceptent pas. On l'a vu lors des dernières élections européennes où il y a eu en fait, ça a été une espèce de référendum pour ou contre Macron et où les Français ont voté contre Macron en votant pour le candidat qui leur était présenté dans les médias comme le candidat d'opposition, c'est-à-dire Bardella, ou éventuellement Madame Maréchal, ou éventuellement Monsieur Mélenchon. Mais je rappelle que Monsieur Bardella, Madame Maréchal ou Monsieur Mélenchon ne veulent pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro. La situation est grave. La situation est grave parce que ceux d'entre vous qui travaillaient sur les marchés financiers savent certainement que depuis la dissolution, les taux d'intérêt sur les obligations assimilables du Trésor en France sont orientés très fortement à la hausse et que, sans qu'on l'ait beaucoup dit, la Banque Centrale Européenne est intervenue en fonction de ce qu'on appelle la facilité Draghi pour racheter sur le marché secondaire des obligations assimilables du Trésor français pour éviter que le différentiel entre les taux allemands et les taux français ne devienne trop important. Parce que s'il devenait trop important, il y aurait un risque de rush des marchés financiers qui ne voudraient plus financer les déficits français. Et tout ceci pourrait nous mener jusqu'à l'explosion de l'euro. Or, l'explosion de l'euro menant ensuite par un effet de château de cartes à un risque d'explosion générale de toute la construction européenne. Je suis absolument convaincu que c'est ce qui va finir par se passer. Mais tout est fait pour que ça ne soit pas le cas. Et tout est fait pour que ça ne soit pas le cas. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne intervient, comme elle était intervenue pour la Grèce. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que vous l'avez su, vous l'avez vu, il y a ces jours-ci, d'abord la dégradation de la note française par Standard & Poor's, par les agences de notation internationales américaines quant à la dette française, mais aussi et surtout, la Commission européenne va lancer la procédure de déficit excessif contre la France. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la procédure de déficit excessif? Ça veut dire que désormais, les injonctions envoyées par la Commission européenne à la France vont gagner encore plus en intensité. La BCE d'un côté, la Commission européenne de l'autre vont mettre la pression maximale sur les gouvernants, quels qu'ils soient après cette élection législative. Et lorsque je vois des programmes comme ceux de la France insoumise ou du nouveau Front populaire qui prévoit rien moins que de grever encore plus le déficit de l'État de 280 milliards d'euros, une chose est absolument certaine, c'est que si d'aventure le nouveau Front populaire avait la majorité, trois jours après la nomination du nouveau Premier ministre, qu'il se soit M. Mélenchon, M. Ruffin ou Mme Clémentine Autain ou je ne sais pas qui, le Premier ministre serait convoqué à Bruxelles et convoqué à Francfort. Et on leur a dit « Si vous continuez comme ça, la BCE ne rachète plus des obligations assimilables du Trésor sur les marchés financiers.
Et donc les taux d'intérêt sur la France vont exploser. La France sera ruinée dans la semaine. Donc ça veut dire que le programme du nouveau Front populaire ne pourra pas être mis en œuvre. De la même façon que le programme du Rassemblement national plus LR Ciotti ne pourra pas être mis en œuvre. D'ailleurs, comme il est plus probable, au moment où je parle, que ce soit le Rassemblement national et LR qui aient le plus de députés, eh bien vous avez vu que M. Bardella a commencé à mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire plus exactement, chaque jour, il enlève une partie de son programme. C'est-à-dire qu'un jour, on apprend que finalement, il ne remettra pas en cause le régime des retraites. Le lendemain, on apprend qu'il ne baissera pas la TVA sur les produits de première nécessité. Et puis il se colle à tout le narratif euro-atlantiste. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne s'attaquera pas au port du voile dans l'espace public. Et puis il dit qu'il faut soutenir l'Ukraine contre la Russie, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous y regardez bien, Monsieur Bardella, c'est Attal 2.0. C'est la même chose. Alors ça veut dire quoi ? Vous vivez à 8, 9, 10 000 km de Paris, mais vous avez des attaches à Paris ou en province. Vous avez des attaches familiales en France. Vous y retournez régulièrement. Vous savez bien que la situation est très mauvaise en France, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution politique, puisque les Français votent à droite, votent à gauche, ils vont pouvoir constater que nous avons toujours la même politique. Il est là le drame fondamental de la France et le fait que nous allons vers des soubresauts de plus en plus dramatiques, parce que si on empêche aux Français de récupérer leur indépendance et leur souveraineté nationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, lorsque vous n'avez plus la maîtrise ni de votre monnaie, ni de vos taux d'intérêt, ni de la formation des lois, puisque tout est désormais à Bruxelles et la Commission européenne a le monopole de la fabrication des directives, lorsque votre armée est en passe d'être européanisée par ailleurs, eh bien qu'est-ce qui vous reste ? Et il vous reste en fait la politique étrangère aussi. Il ne vous reste plus rien. Nous élisons en fait des marionnettes. Alors je me présente à vous pourquoi ? Pour deux choses. La première, c'est parce que la zone Europe orientale, Asie, Océanie est une zone – je pense que vous l'avez compris – que je connais particulièrement bien. Là, je vous ai cité les personnalités que j'ai connues à Hong Kong et à Singapour. J'en ai connu d'autres, d'ailleurs. Mais j'en ai connu aussi beaucoup dans beaucoup d'autres pays étrangers. Et il me semble qu'il est important que les Français de cette zone immense qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'aux îles Fidji ou du détroit de Bering jusqu'au détroit d'Hormuz, avec des zones géoculturelles totalement différentes, il est important que vous soyez représentés à Paris au Parlement français par un député qui connaisse qui connaissent en profondeur les pays. Or, parmi les gens qui se présentent devant vos suffrages, ceux qui connaissent en profondeur pas seulement Hong Kong ou Singapour, mais qui connaissent, je pourrais vous parler très longuement de l'Inde, vous parler aussi très longuement des Fidji où j'ai eu à travailler, ou de la Nouvelle-Zélande, le Japon où j'ai vécu, la Chine où je suis allé de nombreuses fois, la Russie où j'ai été également plusieurs fois, y compris en Crimée, l'Asie centrale, sans parler de l'Asie du Sud-Est, le Cambodge, la Thaïlande. Des gens qui ont toute cette expérience, eh bien je pense que je suis celui qui en a le plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je défendrai vos intérêts. Pas seulement les intérêts administratifs, dont je me ferai le porte-parole, notamment tout ce qui est question consulaire, sur les questions de fiscalité, qui sont importantes pour un certain nombre de Français expatriés, justement, à Hong Kong et à Singapour. Comment les services consulaires, comment peut-on aider les Français expatriés à régler leurs problèmes fiscaux, à régler éventuellement les questions des retraites, à savoir tirer les bonnes sonnettes aux bons endroits, la scolarisation des enfants, les alliances françaises. Tout ça, ce sont des sujets que l'on trouve de façon récurrente dans tous les pays étrangers, mais qui se posent avec plus ou moins d'acuité. Et je prends l'engagement, si je suis élu député, de venir dans au moins 10 pays par an de la zone. Il y en a 49. Au moins 10 pays de la zone. Et évidemment, en commençant par ceux où il y a le plus de Français expatriés. Et donc je me rendrai bien sûr dans les semaines qui suivraient mon élection à Hong Kong et à Singapour, que je connais par ailleurs très bien, mais pour vous rencontrer avec mon écharpe tricolore et pour recueillir vos doléances et vos souhaits. Ça, c'est la première fonction d'un député. Le député qui doit se faire le porte-parole
des Français de sa circonscription. Mais ici, c'est une circonscription très particulière, puisque le fait, par exemple, d'être localisé à Bangkok ou à Singapour ou à Hong Kong, eh bien certes, c'est intéressant pour les habitants de la Thaïlande, de Singapour et de la Malaisie, ou de Hong Kong et du sud chinois. Mais si vous êtes résident à Moscou, à Minsk, à Téhéran, à Tashkent ou à Perth, à Adélaïde ou Wellington, vous en fichez complètement. C'est-à-dire que l'ensemble des Français vivant dans cette zone ont intérêt à avoir à Paris quelqu'un qui connaît très bien la zone, qui se fait le porte-parole des besoins dans tous les pays de la zone et qui connaît également les couloirs, les allées du pouvoir à Paris et qui ne reste pas amorphe. Et puis il y a un deuxième volet pour être un député. Les députés, comme vous le savez, ne sont pas en fait officiellement, ils ne sont pas députés de leur circonscription. En fait, ils sont députés de la nation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les députés, quels qu'ils soient, participent à l'élaboration de la politique nationale. Malheureusement, cette partie du pouvoir des députés, qui là, normalement, qui devait être l'essentiel, est en train de devenir une partie tout à fait secondaire du fait de notre appartenance à l'Union européenne, puisque 70 ou 80% du travail législatif, c'est des transpositions en droit français des directives communautaire. Mais quand même, il en reste un petit peu. Mais surtout, ce que je voudrais, si je suis élu votre député, je serai le seul député français qui tentera d'imposer le débat, pas seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les radios, les télévisions, imposer le débat sur notre maintien ou non dans l'Union européenne, sur la problématique de l'euro. Il suffit de regarder, de lire ce que disent des gens comme Patrick Artus, Marc Toiti sur le fait que l'euro est en fait très menacé. Je m'adresse ici à peut-être des spécialistes sur les marchés financiers. Allez regarder les évolutions divergentes de Target 2, c'est-à-dire du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Vous verrez à quel point tous les grands financiers du monde savent que l'euro, cette monnaie plurinationale, risque, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, d'exploser en feu d'artifice. Et nous, nous pensons qu'il vaut mieux, vis-à-vis des marchés financiers, les rassurer, et les rassurer en ayant une situation, une solution pérenne. Je connais beaucoup de gens qui me disent « Vous rendez compte, si on sort de l'euro, la catastrophe que ce serait, etc. » Et moi, je leur dis « Est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Il y a un think tank allemand qui a calculé il y a quelques années, au bout des 15 ans, je crois, depuis le lancement de l'euro, que l'euro avait coûté, par tête de pipe en France, 58 000 euros pour chaque Français. L'euro avait eu donc des effets tout à fait divergents en favorisant l'Allemagne, en défavorisant la France et les pays du sud de l'Europe, puisque l'euro est en fait coté à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutsche Mark et ce que serait coté la lyre italienne ou le drachme grec. Alors, étant député, je n'aurai évidemment pas les moyens de lancer ni le Frexit ni la sortie de l'euro, bien sûr, mais j'aurai les moyens d'imposer le débat. Or, ce débat doit avoir lieu. Et le débat doit avoir lieu. Ça ne concerne pas seulement les 100 000 Français qui résident dans la zone Asie-Océanie, ça concerne aussi des millions de Français qui sont en métropole. Et si vous y réfléchissez en votre âme et conscience, il n'est pas bien, il n'est pas normal que sur les 577 députés français de l'Assemblée sortante, comme ça risque d'être le cas pour la nouvelle Assemblée, il n'y en ait pas un seul qui veuille parler de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça n'est pas normal, ça veut dire que ce débat est interdit. Et lorsque l'on vit en Asie orientale, lorsque l'on vit à Singapour, par exemple, eh bien j'imagine que, si vous y réfléchissez bien, vous savez que le principe de la construction européenne n'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Est-ce que vous imaginez que Singapour décide de fusionner avec les 26 pays alentours ? Est-ce que vous l'imaginez ? En réalité, l'ASEAN n'a absolument rien à voir avec le processus d'intégration fédérale de l'Union européenne. Il n'y a pas au sein de l'ASEAN une commission de Bandar Seri Begawan, qui serait l'équivalent de la commission de Bruxelles, dans la capitale du sultanat de Brunei, et qui édicterait des directives auxquelles se plierait le doigt sur la couture du pantalon les 250 millions d'Indonésiens, les 100 et quelques millions de Vietnamiens, les Birmans, les Singapouriens. Ça n'a pas de sens.
Les gens riraient. D'ailleurs, si vous vivez dans cette zone, vous savez aussi que la taille ne fait pas le niveau de vie et la prospérité. Singapour est grand. En gros, la superficie de Singapour est grande comme la moitié de l'Île-de-France. Hong Kong, c'est encore plus petit. Ce sont des territoires où le niveau de vie est supérieur à la France et le taux de croissance est supérieur et qui, en matière de recherche, de développement et même d'influence internationale et diplomatique, sont très importants, réussissent là où la France est en train de disparaître. Parce que vous savez bien que la France disparaît. Lorsque l'on vit en Extrême-Orient, comme j'ai vécu au Japon, on sait bien que la solidarité européenne, c'est du flan. Vous savez bien que sur les marchés, vous pouvez avoir, comme en Chine par exemple, PSA qui a une co-entreprise avec Dongfeng à Wuhan, donc avec un Chinois, et dont le principal concurrent va être par exemple Daimler-Benz qui a un autre partenaire chinois. Vous le savez. Vous savez bien aussi qu'il n'y a pas de relation entre la taille d'un pays, la taille de sa population et sa réussite. Hein, regardez Taïwan, regardez la Corée du Sud, regardez Hong Kong, regardez Singapour. Bon, le cas du Sultanat de Brunei est un peu particulier, je vous l'accorde. Mais la Thaïlande qui a à peu près la taille et la superficie de la France et à peu près la même population en nombre d'habitants. Tous ces pays, ma foi, se portent bien, sont sur le chemin du développement. Et pourtant, d'après le dogme européiste, ils devraient s'effondrer puisqu'on nous explique qu'il faut absolument que la France fusionne avec 26 pays alentours, sinon c'est fichu. Lorsque l'on est en Asie orientale, on sait également très bien que le Royaume-Uni, depuis le Brexit, ne s'est pas effondré. Au contraire, le Royaume-Uni a vu le niveau de vie de sa population augmenter. Je rappelle que le SMIC en 2016 était 15% inférieur au SMIC français au Royaume-Uni. En 2024, il est 10% supérieur. Et je rappelle aussi que le Royaume-Uni vient de dépasser la France comme désormais quatrième exportateur mondial de biens et de services, alors que l'on nous avait expliqué que le Brexit entraînerait une catastrophe et quasiment la disparition du Royaume-Uni des grandes puissances et même des puissances tout court. Ce qui est en train d'arriver, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les pays ligotés dans l'Union européenne qui sont en train de s'effondrer économiquement, socialement, et qui sont en train également de se catapulter vers la guerre contre la Russie, puisque l'Union européenne, en fait, n'est jamais qu'une colonie des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose d'être un député dont vous serez fier d'être les administrés, si j'ose dire, puisqu'on entendra parler de moi. On entendra parler du député des Français résidant dans la zone Europe orientale, Asie, Océanie. Je porterai haut les couleurs de cette communauté de Français qui vivent dans la zone de plus forte croissance mondiale et qui ont leur mot à dire. Je regrette de le dire, mais la députée actuelle, Madame Genetet, la députée sortante, elle a un bilan misérable, en fait. Elle a été élue en 2017 dans la vague des macronistes. En 2022, elle s'est fait réélire moins bien qu'en 2017. Elle affichait encore la photo de Macron. Et là, j'ai vu dans sa profession de foi qu'elle n'a même pas osé mentionner le nom de Macron. Et il est passé aux oubliettes. Et maintenant, elle sort Gabriel Attal, ce qui montre en fait que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de convictions, en définitive, à part sa propre carrière. Mais surtout, je suis allé regarder le travail qu'elle a effectué à l'Assemblée nationale. C'est misérable, en fait. Elle a de très mauvaises statistiques de l'Assemblée nationale. Au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, donc depuis un peu plus d'un an, elle s'est classée 510e sur 577 en nombre de présences dans l'hémicycle. Elle est parmi les 70 députés les plus absents. C'est quand même incroyable. En matière d'amendements proposés, le travail effectif qu'elle a effectué, elle a, en 59 semaines, proposé 32 amendements. Elle s'est située la 523e sur 577 députés. C'est-à-dire qu'elle a déposé un amendement tous les 15 jours. Enfin, elle travaille pas, cette députée. En matière de questions écrites, elle a déposé 8 questions écrites en 59 semaines. Vous voyez un petit peu le genre. Ça fait à peu près une question écrite tous les un mois et demi.
Elle s'est classée 459e sur 577 députés. S'agissant des questions orales, elle en a posé deux en un an et deux mois. C'est-à-dire qu'elle en a posé une question orale tous les 7 mois. Ça fait d'elle la 487e sur 577 députés. Voilà. Donc je n'ai rien contre cette personne. Enfin, à l'évidence, d'ailleurs, parlez-en à des Français de France, personne n'a jamais entendu parler de la députée de la 11e circonscription des Français établie hors de France. Personne. Voilà. On peut pas en dire autant. Il y a un député qui s'est rendu très célèbre, qui est Meyer Habib, qui est le député des Français établis, notamment en Méditerranée orientale, en particulier en Israël. Alors lui, il a défrayé la chronique. Bon. Il y a peut-être un truc entre les deux. Mais ça veut dire que cette dame, en fait, ben, ne vous représente pas. Voilà. Alors pourquoi vous votez pour moi ? Ben, vous l'avez compris. Voilà. Même si vous avez des doutes sur tout ce que j'ai pu dire s'agissant de l'euro, etc. Mais c'est le moment d'en débattre. C'est le moment d'en discuter. De toute façon, il s'agit d'élire un député. Vous savez bien qu'un député ne pourra rien changer par rapport aux autres. Mais il pourra imposer ses débats avec la haute tenue et la clarté des enjeux, la clarté historique qui est nécessaire pour un député. Mon objectif depuis que j'ai créé l'UPR, c'est justement d'élever le débat. Et notre notoriété, certes, nous avons fait des résultats très médiocres pendant les élections européennes, mais parce que nous sommes totalement invisibilisés parmi les médias. En revanche, le capital de sympathie que nous avons est considérable. Notre chaîne de télévision UPR TV vient de franchir les 99 millions de vues cumulées, 455 000 abonnés. C'est tout à fait considérable. C'est un des partis les plus suivis. Et d'ailleurs, je suis le seul responsable politique français à avoir fait plus de 20 vidéos qui ont dépassé 500 000 vues et même 7 vidéos qui ont dépassé le million de vues. Avec moi, vous aurez la certitude d'avoir quelqu'un qui va se battre au quotidien pour améliorer votre situation locale, vos problèmes consulaires, vos problèmes éventuels d'éducation, de retraite, de fiscalité, etc. Vous faciliter la vie pour obtenir des passeports, des visas, etc. Faciliter aussi la vie des professeurs qui travaillent dans les lycées français ou de tous ceux qui travaillent dans les alliances françaises en exigeant qu'il y ait une augmentation des crédits parce que ça le nécessite. Je me battrai pour la francophonie. Mais vous aurez aussi la certitude d'avoir un député qui portera haut et à très haut niveau le débat qui s'impose. C'est le grand débat de l'avenir de la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la France. Vive l'amitié franco-hongkongaise, franco-chinoise et franco-singapourienne. Et je vous attends dans les urnes le 30 juin prochain.